Yo les gens, c'est FatMac91HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la Transfer Windows Cup. Une vidéo, enfin comme vous pouvez constater, les scores n'ont pas changé, hein. C'est bien le 5-2, le 3-0. Bon, le bilan a changé et les points FIFA aussi, car j'ai joué en off, hein, mais c'était pas dans cette compétition, bien évidemment. Et donc vous pouvez constater que j'ai aussi fait quelques modifications à mon équipe en off, de sorte à avoir quand même des joueurs très très puissants devant. J'ai fait mes modifs, tout le monde a 9-2 collectif, donc c'est parfait. J'ai mis Wayne, hein, j'ai mis notre Marvel Wayne adoré, en défense centrale à la place de l'autre défenseur, je sais plus son nom, même s'il est très très bon. Et ça se trouve, ça va me porter préjudice. Donc je tente, on va essayer d'avoir un adversaire, j'espère que je vais en trouver un parce que j'ai pas réessayé depuis, hein. Bon, en même temps c'est normal parce que je n'étais pas en live, donc j'ai pas testé de faire la vidéo à côté ou quoi. Qu'est-ce là, quelle heure? Il est 16h24, on est dimanche. Bah, logiquement il y a des gens. Logiquement il y a des gens. J'espère. J'espère en tout cas, parce que sinon ça va être très très chiant. J'espère qu'il y a des gens. Oh! Donnez-moi des gens, il est là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, ils sont relous, ils vont pas me. Hein. Oh non, mais me dites pas qu'il y a personne. Ah mais c'est un truc de malade, ça n'empêche. Hein. C'est un truc de malade. À croire que EA a décidé de me planter mes vidéos. Voilà, aucun adversaire, c'est super. J'hésite à mettre des cartes. Non, je mettrai une carte plus 20 si j'arrive en finale. Si avant la finale, je mettrai une carte forme plus 20. C'est chiant ça. C'est très chiant. Vous savez ce que je vais faire avant, bah si vraiment là il n'y a vraiment pas d'adversaire, encore une fois, tenez, je vais quitter direct, je vais même pas prendre la tête. Je vais aller dans la coupe or, parce que dans la coupe or je suis en finale et je vais jouer la finale devant vous. Comme ça se trouve que il y aura peut-être des adversaires du coup. Donc on va prendre l'hybride, on va prendre la V1, on va prendre l'hybride V1 et c'est parti mon kiki. Ah, c'est improvisé là, il y a paire d'adversaires, donc j'ai décidé de me la jouer vraiment sérieux. Ça vous fera un match bonus juste avant. Ça me fera un match de chauffe aussi, vu que c'est mon premier match de la journée. Premier match de la journée en live, évidemment, en finale. Donc de quoi se mettre bien dans la merde. Il a un emblème. Les gens qui ont des beaux emblèmes, généralement, ils sont forts. Il a une grosse Ligue 1 français. Pour qu'ils disent français, ça veut dire que lui-même, c'est un français, je pense. Sinon, il aurait écrit French. Il se serait pas pris la tête à. Voilà. Vous m'avez compris. Ah, il a une bonne équipe. Il a une très bonne équipe. Même si j'ai une grosse équipe sur le papier, généralement, ça, c'est de la bonne équipe. Donc, il va falloir que je me méfie. Défense assez solide. Son côté gauche, par contre, risque d'être assez friable. C'est qui sur son côté gauche? Ça va être Daniliño. Donc, ouais, Daniliño peut poser des problèmes à son Maxwell. Là, le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir jouer. Voilà, il a rage quit, donc c'est super. C'est super, c'est super. Compétition fut remportée. Ok, donc ça va me donner. Regardez, ça m'a donné des points carrément. Je n'ai même pas joué la compète, ça m'a donné des points. Bon, on va peut-être retenter vite fait alors la Transfer Windows Cup du coup. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent pas me faire jouer, c'est. Je vois pas d'autre ex explication. J'avais bugué, donc Transfer Cup, elle est là. Donc j'avais essayé de vous faire un live aussi avec une équipe avec 5 défenseurs. Je peux vous dire que c'est impossible, je n'arrive pas à jouer avec ces équipes-là, donc ça sera pas pour. Enfin, je ne ferai pas de live tout simplement. Je voulais appeler ça genre en gros le mur. Le mur de fer, mais pff, non, c'est injouable. C'est injouable de jouer avec des trucs comme ça. Je sais pas. Pour les gens qui jouent avec 5 défenseurs, honnêtement, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites parce que c'est. Ah, un adversaire, super. Super super match match moi bon, les go. On va mettre le maillot du Celtics et c'est parti. C'est parti, lui aussi normalement il va avoir des. Voilà, il a des joueurs argent. Ouh là 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 là, il a les joueurs très très bons. Il a une très grosse équipe. Il a une très grosse équipe. Les équipes norvégiennes, ça va très 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 vite. Donc c'est parti. Je me souhaite à moi-même bonne chance. Si je perds ce match, bah, j'irai faire la finale de la Coupe Gold. Hein. Comme ça, vous aurez deux matchs. Au moins. Je se trouve deux défaites. Deux défaites. Allez, c'est parti. Bonne chance, Mathieu. Bonne chance. C'est le gars, il s'encourage tout seul. Donc c'est parti, Marvel Wayne. Phobos.
Weston. Rose, tu sais le. Non, je vais arrêter de faire ça. Agbonlahor. Agbonlahor. Agbonlahor qui est monstrueux. Hein, qui est monstrueux. Alors, c'est vrai. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal aux fesses de mettre. De mettre quasiment 200 000 crédits dans un joueur argent. Je le reconnais. Mais il est monstrueux. Il est monstrueux. Il a large. Il peut avoir sa place dans n'importe quel BPL. Dans n'importe quel BP. Ouh là là, ouh là là. Dans n'importe quel BPL, que ce soit argent ou or. Oh là là, d'entrée, le pressing qui a failli s'avérer payant. Allez, c'est parti, Weston. Ça a touché son bras, ça a touché son bras. Ouh là là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je voulais pas que tu la remettes aussi bas. Allez, Towns. Townsend, le gaucher. Oh putain, dommage, dommage, dommage. Ouh, allez, c'est parti. Oh mais, je suis dessus, bordel. Oh là là. J'ai du mal avec la défense. Généralement, mon premier match, c'est souvent assez périlleux défensivement. Bon, j'ai l'avantage d'avoir des mecs très rapides, donc là, ça devrait le faire. Bon, lui aussi, hein, il a des flèches. Donc, c'est pas la vitesse là qui va m'aider. Allez, c'est parti. Wright Phillips. Wright Phillips. Townsend. Oh là 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 là. Je lui ai décalé. Il a envoyé un missile. Ah, oh, c'est Agbonlahor qui tire carrément. D'accord. Oh non, mais t'as pas le droit de la rater cette tête. T'as pas le droit de la rater. Je sais pas qui tu es. Je pense que c'est mon défenseur central anglais, bronze. Mais je ne suis pas sûr. Honnêtement, comme ils n'ont pas les vrais visages ni rien, ils ont quasiment tous la même tête. Ils ont quasiment tous la même tête. Oh là là. Oh là là, Wayne. Ah, Wayne, il est rapide. Il est très rapide, Wayne. Pour le passer, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Donc, Agbonlahor, vous avez pu voir. Bon, techniquement, c'est faible. Techniquement, c'est faible. J'aurais pu mettre Wallison et tout. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais pourquoi t'as pas mis Wallison, Danny Ligneux et compagnie? Je voulais du neuf de collectif. Je voulais neuf de collectif, tout simplement. Et je voulais que tout le monde ait neuf. Si je mets Danny Ligneux et Wallison, ils ont neuf. Aïe, aïe, dommage. Mais j'ai pas d'ailier gauche qui peut avoir un neuf. J'ai pas des. Enfin, les ailiers gauche brésiliens argent en Liga du Brésil, il y en a pas. Il y en a pas des rapides quoi. Moi je veux de la vitesse. Hein. Ça c'est le genre de compétition où ça joue énormément sur la vitesse. Donc je veux de la vitesse. Puis voilà. Puis voilà tout simplement. C'est parti. Voilà, on laisse pas partir. Tu la remets là-bas. Hop, Weston. Rose. Balkan. Agbonlahor. Agbonlahor, oh la grosse frappe d'Agbonlahor, la grosse frappe, ça c'est la spéciale de Noobman. Noobman, dédicace à lui, si regarde cette vidéo, il se reconnaîtra, la tête, le petit but là, c'est compliqué, allez hop, on tente le sombrero, ah c'est pas facile, on va mettre un carton jaune, oh, voilà c'était sûr, il faut que je fasse attention, prendre un jaune comme ça à la 22e minute avec un milieu de terrain qui est censé défendre, c'est très problématique parce qu'il va être appelé à mettre le pied souvent. Si dès la première fois tu prends un jaune, allez c'est parti, Wright Phillips, voilà, Wright Phillips, la frappe, ouais, faut que j'arrête de faire le mec qui veut mettre à tout prix un but de loin. On va essayer d'assurer le score avant de marquer des beaux buts. Voilà, donc là il la met dehors. On va essayer d'assurer le score hein, parce que bah voilà c'est l'essentiel si je puis dire. Ok nickel, hop, dans la profondeur on l'a vu. Ah dommage, il avait anticipé. Il avait bien anticipé, donc là ça fait une situation de contre. Il va mettre un crochet, c'est obligé, voilà, même pas, il s'est empalé sur, enfin, mon joueur l'a rattrapé tout simplement. Wesh, Wright Phillips s'est fait bouger comme une merguez, bon, en même temps, il est petit, Wright Phillips, hein, c'est un petit gabarit. Non, Wayne, oh putain, il est monté. Oh là là, j'aurais dû la tirer en force. Oh mais comment je peux rater ça? Mais comment? Eh la tête, déjà la tête, il a pas le droit de la rater. Putain, je suis déjà à 7 tirs, lui à 0. En 30 minutes de jeu, c'est de l'ultra dominance là, Attention, on peut embarquer le pied. Peut-être une occasion. Oh c'est bon, c'est passé. Oh, j'ai le contre. Et voilà, Agbonlahor, 1-0. Magnifique.
Ouh là là, j'ai eu énormément de réussite, hein. Je pense que c'est la vitesse et le physique d'Agbonlahor, vous avez vu. Regardez, il a réussi à prendre le dessus, il était limite tombé par terre, mais non. Ah là là, putain, c'est Agbonlahor, il est magnifique. Il vaut vraiment le coup. Honnêtement, c'est cher, mais il vaut le coup. Si vous ne savez pas qui acheter, il est aussi craqué que l'année dernière. Bon voilà, par contre, il y a le prix qui fait qu'il est cher comme ça, mais sinon, voilà, c'est exactement le même que l'année dernière, je peux vous dire. Avec Wallison, pour moi, c'est le meilleur joueur argent. Qu'est-ce que c'est que cette relance? Mais qu'est-ce que c'est que cette relance de merde? Putain, première frappe, premier but. Oh là là, mais c'est quoi ça, le gardien? Regardez, oh là là, le gardien lui a donné le but carrément. Et derrière, je me suis troué sur mon tacle. Oh là là, putain, match catastrophique, match catastrophique. Match catastrophique. Attends, j'ai la main mise sur le match. Mais pourtant. Mais pourquoi je la remets en bas? J'avais juste à courir tout droit. Putain, mais quel con. Là, je fais vraiment des erreurs bêtes. Le mec, je lui ai donné le but, quoi. Je lui ai donné le but. Faut que j'arrête de penser à ça. Faut que j'arrête de penser à cette action. Faut que j'arrête de penser à cette action. Faut que je repense à marquer direct. Voilà, c'est parti, les gars. Allez, on va lui mettre le deuxième. On va lui mettre le deuxième. Oh là là, putain. Oh là là, y a pas faute là, y a une petite faute quand même, monsieur l'arbitre, non? D'accord, t'as pas envie. Oh là là, mais mes joueurs se poussent et tout, mes joueurs se marchent dessus, c'est. C'est assez rigolo. Agbonlahor, ah, c'est contré. Putain, il y a une grosse présence défensive, même si bon. Non, je vais pas faire tirer Agbonlahor, ça va être Townsend. Allez, hop, le but, sur une tête là. Putain, il se relance, il dégage direct devant quoi, le mec se prend pas la tête. Allez, la grosse frappe! Putain, il la sort son gardien. Ouais. Non, je vais la tirer avec un droitier. Agbonlahor, je te fais confiance. Sur une tête, voilà, magnifique! Pas sur la contre-attaque, bon. Putain, ça fait 1-1 à la mi-temps, largement contre le cours du jeu, faut dire ce qui est, le mec il mérite. Enfin, il mérite d'être largement devant. Regardez les stats. Ah, ça dégoûte. Ah, ça sent la défaite. Ah, putain, j'aime pas ce genre de match. Wright Phillips, il ne suit pas. C'est super, allez, c'est parti, on se reconcentre, Mathieu, tu te concentres. Tu arrêtes de stresser, parce que là t'es en train de stresser, tu veux faire du bien, tu ne veux pas le perdre ce match. Je sais que tu ne veux pas le perdre. Si le mec se parle tout seul, il parle à son subconscient et tout. Ça sent la grosse passe lobée en profondeur de 75 mètres. Je pourrais jouer comme ça, hein, je me dis. Je pourrais très très bien jouer comme ça avec une équipe, avec ce joueur-là. Enfin, avec Agbonlahor, je pourrais me le permettre. Mais c'est pas, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout de faire ça. Je trouve c'est dégueulasse tout simplement. Oh là là, j'ai eu de la chance. Enfin, j'allais l'insulter le joueur qui est devant qui contre ça. L'action était belle. Je suis désolé si j'ai. Si j'ai fermé ma bouche au moment du truc, mais l'action était jolie quand même. Là, ce que je fais avec Agbonlahor, hop, hop, truc. Là, il y a le blond, là, je sais pas son nom, qui se met devant. Heureusement, Wright Phillips, il a bien suivi. J'ai eu chaud. Allez, c'est parti. Et là, Agbonlahor, c'est POM direct dans la lucarne. Le gars, il perd pas de temps. Je vais pas lui laisser de répit. Je vais essayer d'en mettre un troisième. Puis après, si on peut en mettre plus encore. Hein. Oh là là! Oh là là! Oh, c'est dommage, c'était joli ça! Ouh, ça, c'est du football ça! Ça, c'est le football comme on l'aime! Balchan! C'est parti! Balchan! Balkan, Balchan, je ne sais pas comment ça se prononce! Quoi?
Sur quoi t'as sifflé faute, mec? Oh putain, la passe lobée. Bien joué, gardien. Là, t'as fait une bonne relance. Oh non, non, tu l'as, Fred Phillips, tu l'as, voilà. Oh non, oh, c'est quoi ce contrôle? C'est quoi ce contrôle? Oh oui, ah bon là, oh! Mais qu'est-ce qu'il y a, bordel? Qu'est-ce qu'il y a, bordel? Je ne voulais absolument pas faire ce geste-là, je m'excuse. Je voulais pas faire le mec. Je suis pas du genre à provoquer, à faire des chutes, là, il l'a fait tout seul. Tiens, juste à préciser pour les gens qui vont dire, oh, ça se fait pas ce que tu fais. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne voulais pas faire ça. C'est indépendant de ma volonté, tout simplement. Allez hop, c'est parti. Et le jeu se poursuit, il y a avantage, c'est bien arbitré. Oh, il est bien donné ce ballon. Ah, donc finalement, ça s'est avéré quand même payant le petit changement des trois devant. Ah, bah, non, ça va, j'ai de la chance. Hors jeu. Ça s'est avéré payant finalement le choix des trois devant. Bon, j'aurais été avancé, j'ai eu de la chance. De toute façon, il avait complètement dévissé sa frappe. Mais là, faut pas que je me laisse avoir. Faut que je me laisse avoir. Il a dû passer en ultra off. Impossible d'avoir autant de contre. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Deuxième tir, deuxième but. Sachant que le ballon est remis en jeu par un de mes joueurs. Oh, c'est relou quand ça fait ça. C'est relou quand ça fait ça. Oh putain, voilà. Il va faire ça, balancer devant comme un autiste. Bon allez, on se reconcentre, ça y est. On arrête de critiquer l'adversaire, c'est toi qui mène. C'est toi qui mène, Mathieu. C'est à toi de faire la diff. Faut te faire la diff, de pas te laisser intimider, c'est toi qui mène. N'empêche, il a une efficacité, le mec, c'est un truc de ouf. Oh, tu l'as vu partir, Townsend. Voilà. Townsend. Voilà, plus que toi, le centre. Oh là là, mais normalement il y a but là. Il l'accroche, monsieur l'arbitre. J'ai une petite. Une petite faute, hein. Oh là là, monsieur l'arbitre. Ah, c'est pas gentil ce que vous avez fait là. C'est pas gentil. Oh là là, ça revient sur lui. Bien joué. La bonne sortie du défenseur là. Allez, vas-y, voilà. Pourquoi je fais ça? Je me méfie avec Balchan, Balkan, je sais pas. Il a sifflé quoi là? Ah, touche! Je la vois même pas la ligne. Pour tout vous dire, je la voyais pas la ligne. Allez, c'est parti! Towns! Elle sort, quand même. Ah, bonbon, allez, on s'applique. Mais y a pénalty, non? Le mec me fait une Batiston, quoi. Bonne interception. Oh, why? J'ai cru que le ballon allait redescendre et rentrer dans la lucarne. Son coéquipier demande le ballon. C'est bon, il l'a poussé trop loin. Il reste 10 minutes. 10 minutes à tenir. Il a quand même repris un peu le poil de la... Il a quand même repris du poil de la bête. Il faut dire ce qu'il est. Voilà. C'est surtout moi aussi qui fais pas mal d'erreurs. Oh, il est beau ce ballon. Ah, ça ne passe pas. Allez, go. Townsend. Go, Townsend. Je reviens sur lui. Quel con je suis. Bah, ça me désélectionne le joueur. Elle est à moi. C'est parti, elle est à moi. On va pas la jouer tout de suite. On va calmer le jeu. Hop, on va la remettre sur lui. Hop, tu l'as vu. Oh, mais c'est quoi cette vieille passe dégueulasse que tu me fais là? Applique-toi, bordel. Applique-toi, mec. Elle est vigilante. Ah, bonne anticipation sur cette passe. Allez, go.
Concentration, concentration. Oh putain, j'ai redonné là. On s'applique. L'arbitre qui avait compté 2 minutes de temps additionnel. Surtout pas jeter, mais surtout pas jeter. Oh, c'est bien joué, heureusement qu'il était là. Allez vas-y, tu passes. Tu l'as. Tu l'as. Enfin, je suis obligé de jouer comme ça. De toute façon, ça marche pas. Ça marche pas. Il s'est fait reprendre. Ah, la défense a eu chaud quand même. Il vient en marquage pour essayer de le contrer. C'est bon, ça siffle. Ça siffle. Voilà, c'est fini. J'aurais eu chaud, je sais qu'à la fin là beaucoup vont polémiquer. Pourquoi t'as fait ça, t'aurais pu marquer. J'ai voulu assurer le score, au final son joueur est bien revenu. Il y a quand même une équipe très rapide, hein, faut dire ce qui est. Mais au niveau des stats, là on va voir les stats qui sont largement en ma faveur. Voilà, bon, il a la possession parce qu'il avait le ballon plus dans ses cages. Plus de son côté, je pense que c'est la mauvaise foi du mec. Donc 3-2, ouais, c'est largement en ma faveur. En 17 tirs, 12 cadrés, le mec a tiré 3 fois, il a mis 2 buts. Vraiment beaucoup de réussite pour lui. Donc moi ça y est, c'est parti, c'est la finale maintenant les gars. On a réussi à y aller, donc 5-2, 3-0, 3-2. On va tenter de la jouer cette finale, on va tenter d'aller la gagner pour vous chers abonnés, je vais la gagner. Si je me fais déchirer, je me fais déchirer. Je mets une carte plus fin, j'en ai rien à foutre qu'ils soient à 90 ou quoi au caisse. Là c'est une finale les gars, une finale ça se joue à 100%, ça se joue à 100% de nos capacités physiques, de nos capacités totales. C'est tout ce qu'il y a quoi. Je suis en train de divaguer, de dire n'importe quoi. J'espère juste que là ça va pas me faire un truc encore. Je vais galérer à trouver un adversaire, sinon ça risque d'être très très chiant. Ça risque d'être très très chiant. Change d'adversaire. Trouve-moi un adversaire s'il te plaît. Trouve-moi un adversaire. Trouve-moi un adversaire. Change d'adversaire. Moi je suis chaud là. Je suis chaud pour aller la gagner cette coupe. Bon allez, c'est parti là. C'est parti, je veux une victoire. Allez, c'est parti. Silver Norge. On va jouer avec ce maillot. Ce maillot de l'Atlético Madrid. L'Atlético qui fait une très très grosse saison. Au l'honneur de Falcao. Et je retombe encore sur une team Norvège. Ok. C'est des teams très très bonnes. Hein. C'est des teams très très bonnes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Par contre lui il a quasiment que des joueurs argent, il a 2 étoiles et demi, c'est salaud pour moi. 4-1-2-1-2, c'est un dispo, j'aime pas le jouer ce dispo, j'aime bien le jouer mais j'aime pas tomber contre des dispo comme ça. C'est parti, on va tenter de gagner. Je ne vous promets rien, mais on va tenter de le gagner. Oh putain ça commence déjà. C'est parti. La contre-attaque. Tu l'as vu partir mon petit Wally Phillips. Physiquement ils sont énormes. Physiquement ils sont énormes les Norvégiens. Le mec il a fait un retour sur Wally Phillips, il a rien pu faire. Ah putain dommage. Ouh, joli. Putain, ça commence fort. Ça sent mauvais, mes amis. Oh là là, ça sent pas très bon. Ça sent pas bon du tout, même. On sent son expérience et sa classe. Un départ canon dans ce match avec un but inscrit dès la première minute. Le problème de mon équipe vient du gardien, quand même. Faut dire ce qui est. Un gardien bronze. Ah putain, putain de merde. Il rate son contrôle en plus. Un gardien bronze, c'est très nul. C'est très nul tout simplement. Donc c'est plutôt à moi de pas concéder les actions. Le problème est que le mec là, physiquement c'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux ce qu'il est en train de proposer. Ouf. Allez vas-y, la remise de la tête. Je ne sais même pas où est le ballon. Je sais pas du tout où est le ballon, c'est très chiant. Regardez ça, les mecs sont tous grands, ils sont tous rapides. Ils sont tous costauds. Merci. Putain, c'est toujours. Là, ça sent mauvais. Oh, la passe bien, là, on approche des buts. Oh, il y a du talent hein, chez ce joueur. Regardez ce qu'il nous fait. Allez, Rose. Allez, ça peut aller vite sur ce contre. Ouais, bien dosé ce ballon.
Allez, la frappe. Voilà, White Phillips. Magnifique. Le missile. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ouh là là, j'ai le micro trop près de la bouche. Je suis désolé si ça vient de vous défoncer les oreilles. Mais j'avais vraiment le micro trop près de la bouche. Donc là, on voit le petit crochet et derrière le missile. Boum! Allez, c'est parti. On se remet dans la course là maintenant. On se remet dans la course. On va aller la chercher cette victoire, les gars. Je vais aller la chercher pour vous. Pour vous, les gars. Pour vous. Agbon Lahor. Il va la mettre à côté. Oh non, il la met au-dessus. Non. Mais non. Crucifié. Crucifié, Jean-Jacques. Putain, il y a tout. J'aurais dû la centrer. Putain. Ah là 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 là. J'ai été trop gourmand. J'ai mis trop de puissance. J'ai mis trop de puissance dans cette frappe. Là, je l'ai pas. Putain, Wayne, il a une bonne détente, hein, malgré qu'il soit tout petit. Ah putain, c'est dommage là, cette action, c'était le chaos, juste comme ça, marqué deux buts coup sur coup, ça fait très mal dans la tête, ça fait très mal dans la tête de l'adversaire. Je me méfie, il faut que je me méfie de la passe en profondeur. Ça va centrer, ça va courir tout droit, ça va centrer. Non même pas, ça va courir tout droit, ça va tirer. Allez, c'est parti. Allez, go. Townsend. Interception. Oh non, mais. Oh, Wright Phillips, il est petit aussi. Wright Phillips, il est tout petit, c'est pour ça. Allez, Weinstein. Ah, dès que j'ai Agbon Lahor, vous avez vu ça? Il s'est. Ah, il a sifflé faute. J'ai qui comme tireur? Allez, Wright Phillips, fais-moi rêver. Ah, dommage. Allez, le corner, on va s'appliquer dessus. Donc, Wright Phillips, il a une bonne patte sur les corners, sur les coups francs. Donc, allez, on va dire que ça va être lui le tireur de corner. De toute façon, il est tout petit, donc c'est pas lui. Yes! Voilà, magnifique, Rose. 27ème minute, Rose. Magnifique patte de Wright Phillips. Magnifique patte droite de Wright Phillips. C'est parfait. Là, je sais, je fais pas énormément de blagues. Hein. C'est les finales, les gars, là, c'est les phases finales, hein. on n'est pas là pour rigoler. Oh non, il était passé. C'est bon, je l'ai. Tu l'as vu partir, le petit Agbon. Tu l'as vu partir, le crochet. Putain, il y a faute. Monsieur l'arbitre, c'est un scandale. Il y avait faute. Je vais pas le laisser partir, lui, là-bas. Attaque-le, il va la donner. Voilà, c'était sûr. Oh lolo, j'ai eu chaud là. Qu'est-ce qu'il me fait? Il est passé, Agbon Lahor. Le troisième. Oh putain de... Pourquoi c'est le pied gauche, bordel? Ah ouais, j'ai hésité à faire le mec, genre je me mets sur son pied droit, tout ça, parce que... Oh là là, défensivement, je suis vraiment à la rue. Voilà, bien joué, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Tu siffles quoi là? Ah, c'est sur lui que t'as sifflé, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était pour moi. Il est l'enculé, il va me carotter. En finale, je vais me faire carotte. C'est un bon ballon. Et le ballon qui est perdu, attention, ils peuvent la récupérer. Il y a 4000 crédits à la clé, les petits gars. Il y a 4000 crédits. C'est pas n'importe quoi non plus. C'est bien donné, ça peut donner quelque chose. Ça n'ira pas plus loin. Allez, la contre-attaque. On va essayer de bien la mener. Wright Phillips. Allez, Agbonbon. Allez, tu pars. Voilà. Bon, là, or, le troisième. 4-1 juste, 3-1 juste avant la mi-temps. C'est parfait, les gars. On va aller la chercher, cette victoire. On va aller la chercher, la coupe, là. Magnifique, tout simplement, magnifique. Ouh là là, j'ai failli me prendre un super beau but là. Mais c'est pas rentré. Allez, la contre-attaque, les gars, on y croit. Allez, Agbon Lahor est dans un grand match.
Putain, pourquoi j'ai voulu faire le mec qui repique comme ça? J'ai voulu faire le... Ah putain, quel con! J'aurais dû la remettre encore à gauche. J'aurais dû la remettre encore une fois à gauche. Non, je suis sorti, Voilà, bien joué, ça, c'est bien, ça l'a perturbé. Voilà, 45ème minute. Wright Phillips va pas l'avoir de la tête parce qu'il fait 1m20. Mais non, mais... Oh putain, j'ai voulu faire un crochet, j'ai appuyé sur... Moi quand je fais mes crochets, je me la fais à la PES. Hein, c'est-à-dire frappe et passe. Donc, genre carré croix. Même si je suis sur Xbox, c'est croix A plutôt. Et je joue comme ça, Le truc c'est quand vous faites ça dans votre surface, bah ça frappe fort devant. Oh là là, c'est quoi cette technique de pupute là? C'était quoi cette technique de pupute? Le gars a tiré, il a changé direct. Vous avez vu, ça c'est un truc... On commence à voir de plus en plus souvent. En fait, au moment où le mec a tiré son corner, il a changé. Il a fait un dispo. Donc ça fait que... Voilà, putain, et voilà, fait chier, putain, juste avant la mi-temps. Oh là là, mais ça, c'est pas bien, le mec, vous avez vu ce qu'il fait. Il fait des techniques cheloues sur les corners et tout. Vas-y, c'est dégueulasse. Moi, j'en ai même pas fait de dispo. En fait, le gars, au moment où il frappe, il utilise son dispositif, ça fait que son joueur qui tire se retrouve dans la surface. Vous avez bien vu, il n'y avait plus de tireur au poteau de corner. Ça modifie tout l'emplacement des joueurs, ça fait que toi t'as beau te placer, au final tu te feras niquer. Donc c'est super, c'est super. Voilà, je prends un deuxième but juste avant la mi-temps. Bon allez, on va se reconcentrer. Donc là le mec a voulu jouer comme ça, donc là je pense que je vais jouer sans pitié avec lui. Ça va être à base de passe lobé et de passe PES, hein. J'en ai rien à faire les gars. Honnêtement, ce qui m'importe là, c'est la victoire. Donc déjà, j'aimerais bien quand même que les mecs donnent les bons ballons. T'as trop poussé ta balle, Par contre, physiquement, dès qu'il me tire le maillot, mes joueurs s'envolent. Limite. Allez, c'est bon, elle est à moi. Tu la touches pas, il va la toucher. Il l'a touché, ça c'est un truc, c'est relou. Putain, mais donne-la au mec qui est devant toi, pas là. Je t'ai pas demandé de la faire là, en plus, ça m'énerve. Ça. Oh là 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 là. Ah, je suis désolé, je suis une mauvaise foi, hein, mais... Je suis désolé si je suis de mauvaise foi. Vous savez comment c'est. Je suis en difficulté, je suis en finale. Je veux la win. Je veux la win cette finale. Oh là là, magnifique! Magnifique! Putain, mais j'en fais trop! Bordel! Mais regardez le mec, regardez comment il joue! Magnifique le gardien! Magnifique! Putain, le gars il a balancé un truc sur 50 mètres. Allez Agbon. Dommage. Allez, centrale à terre, moi j'y arrive pas, franchement. Ceux qui y arrivent, je sais pas comment vous faites. Hein. On va la décaler. Pas but. Putain, vas-y, ça m'énerve. Fait chier, c'était sûr, il allait la décaler. J'ai fait n'importe quoi défensivement. Ma ligne défensive était beaucoup trop haute là. Putain, et voilà, ça sent la défaite, ça. Voilà, regardez ça. Putain, il va la mettre dans la profondeur. Qu'est-ce qu'il fait le gardien? Il sort tout seul. Voilà, super. Oh putain, j'en ai marre. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis désolé. Putain, je suis dégoûté. Je suis tout simplement dégoûté. Ma défense se place n'importe comment. Mon gardien sort tout seul. J'avais l'occasion de tuer le match. Sur l'action de Townsend. Voilà, regardez ça. Mais le mec joue que comme ça. Putain, le mec ne joue que comme ça. Il va la remettre derrière. Ça va, t'as les contres. Bien joué. Voilà, putain, ça m'énerve. Le gars fait ça, passe lobé. Le gars joue que comme ça, faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Allez, c'est parti. Bon, on va jouer en passe lobé, hein, si vous voulez que je vous dise. Moi, j'ai Agbon là.
Mais le mec fait un crochet, il s'écarte. Le mec fait le crochet, mais c'est lui qui s'écarte. Eh, j'en ai marre, allez, 4, 5, 5, 3. Putain, j'ai de la chance qu'il rate complètement sa frappe. Je vais jamais réussir à revenir au score, je suis en train de m'énerver pour rien. Allez, on va rester calme, on va rester calme. Moi, les passes lobby, ils veulent pas les faire dans le bon sens, hein, par contre. Ils font pas tout droit, ils font sur les côtés. Oh, je le mets suicidé dedans. Oh putain, je suis pas... Donc le crochet d'Agbonlahor que je ne demande pas mais qu'il le... Putain, je... Oh putain, Agbonlahor, cadre là s'il te plaît, cadre là. Va l'avoir, c'est obligé, tous ces joueurs sont abusés de la tête. Comment je peux faire, comment je peux me dépêtrer de ce merdier. Yes, yes, Agbonlahor, bien joué ça, bien joué Agbonlahor, bien joué. C'était chaud, 4-4, ça c'est du gros match, je sens que ça va aller au tir au but. J'espère juste que j'aurai la place, parce que là, la Vermedia, du coup, je l'ai pas coupé. J'ai presque 40 minutes d'enregistrement. Je suis dégoûté si je ne peux pas, le... garder les matchs. Ouais. Oh là 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 là, allez. Allez, la contre-attaque décisive. Allez, Agbonlahor. Allez, mon petit Agbonlahor. Non, son gardien, j'ai eu peur. Oh non, Agbonlahor, c'est magnifique, envole-toi vers la lumière, ce missile qui vient de me mettre, oh là là, Grégoire Margoton. Allez, on le crucifie, on va le crucifier là, on y va. Il y avait une petite faute là. Allez, on le tient le score les gars. Sors gardien. Voilà. Je peux peut-être pas lutter physiquement, mais je peux peut-être lutter avec mon cœur. Il a 4 étoiles, lui. Faut que je m'en méfie. Il a anticipé. Non, mais putain, je suis maudit. C'est quoi ce match de ouf? Je vais être à 40, je vais dépasser les 40 minutes de vidéo, je vais me retrouver niqué. Comment je vais faire? Je crois que je vais couper juste avant le... Putain, le mec a de la chance. Putain, le mec, j'égalise, je repasse devant, il réégalise derrière. Qu'est-ce que c'est que ce match? C'était peut-être la balle du chaos. Et ça donne une balle de contre intéressante, vraiment. Wright Phillips. Et c'est fini. Donc voilà, les tirs au but. Attendez, je vais juste mettre le... Oh, regardez ça. Je vais laisser là-dessus. Je coupe vite fait et on se retrouve tout de suite, vous inquiétez pas. C'est toujours un moment particulier
Me revoilà, je suis juste désolé là pour tout le temps que vous avez eu sans ma voix. C'est juste qu'en fait j'étais en train de enregistrer le fichier juste avant Audacity, donc je ne pouvais pas enregistrer tout simplement là. Donc je suis désolé juste pour cette attente sans ma voix, ne vous inquiétez pas, je suis bien là. Vous avez vu que ça n'a pas bougé, ce n'est pas dans un autre match, hein, ce n'est pas dans un autre match. De toute façon, un match aussi foufou. C'est juste, j'ai même pas eu le temps de regarder les stats pour tout vous dire, là j'étais concentré sur l'ordi, heureusement qu'il est juste à côté de moi. Allez, c'est parti. Attends, je suis concentré là, je suis concentré. Attends, je vais galérer, n'empêche, pour recaler le son de ma. Ouh là là, j'ai eu chaud, j'ai cru aller la faire entrer au gardien, ça allait rentrer dans les cages vu qu'il était avancé. Je me dis que ça va être très très chaud là de caler le son de ma voix, le deuxième sur le gameplay. Putain, c'est dommage qu'il ait pas de pied droit lui. C'était beau, mais si c'est pour faire ça derrière, ça ne sert pas grand chose. C'est un très bon ballon ça. Shaun Wright Phillips. Sur la contre-attaque là. Ça sent le but. Oh, il a bien fait, là. Voilà, magnifique. J'ai fait sortir le gardien, donc ça l'a perturbé. Comme l'angle était bouché, il pouvait pas vraiment frapper. On est vers la zone de vérité. On est bien taclé, mais le ballon n'est pour personne. Oh, la belle frappe! Oh là là là! Interception. L'occasion peut-être avec cette frappe! Mais qu'est-ce qu'il me fait ce gardien? Mais bloque tes balles, s'il te plaît! Bloque tes ballons, bordel! C'était une balle de but, Hervé. 5-5, c'est un match de taré. J'ai regardé juste les stats. Ouais, il est devant moi au niveau des frappes. Bon, en même temps, il a une grosse équipe quand même. Moi, c'est juste devant que ça va vite. Après, c'est du bronze, hein. Il a beaucoup plus de cartes argent. Les Norvégiennes, c'est connu pour aller très 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 vite. On voit que physiquement surtout, c'est là que ça se joue. Donc voilà, bon, en même temps, il est fort. Le mec est pas mauvais, hein, mais bon, ça balance énormément devant. Ça construit pas, je trouve pas qu'ils construisent. Hein. C'est surtout des. Voilà, ça joue surtout comme ça. Lui. C'est le gars, il a pas de solution, pas se lober. Voilà, voilà. Il va balancer devant, il va la remettre encore devant. Je l'ai vu partir, Wright Phillips. Allez, mon petit Wright! Allez, Wright! Penalty. Penalty. Oh là là, salaud va. Ça s'approche. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. J'aimerais pas aller en tir au but juste pour la simple et bonne raison que les deux dernières séances de tir au but que j'ai faites, c'était certes contre deux amis. Donc. En l'occurrence, Derkos et Wave. Donc Wave de la chaîne Actu FIFA TV. Et j'ai perdu les deux matchs au tir au but. J'ai vraiment pas beaucoup de réussite ces derniers temps au tir au but. Bah, je pense pas qu'on va y aller, voilà. Ah, putain de merde, c'est ça d'avoir un gardien tout claqué. Fais chier, bordel. Putain, 6-5, on va passer en ultra off et on va prendre un but. Hein. Quand on passe en ultra off, en 4-3-3, généralement, on prend trop de buts. Oh non, il va faire tourner. Ouais bah voilà, 7-5, ouais, bon bah c'est fini, énormément de réussite quand même, énormément de réussite. Bon là je fais sortir mon gardien, je suis désespéré. Bon bah je pense que quand même ce match vous aura plu, il y aura eu du but, il y aura eu du suspense. Bon, l'adversaire était bon, allez il va taper ses 3 ralentis, il est tout content. Quand on regarde le score, on se dit que les temps sont difficiles pour les gardiens et les défenses, hein. Toujours aussi précis, hein, dans ses passes. Il est tout content. Non, ah, je suis dégoûté tout simplement. Je peux vous dire que là je suis vraiment dégoûté. Il y avait la place, je menais 3-1. Ouais, toujours spectaculaire, les tacles glissés.
Il y avait la place, je repasse à 5-1 juste avant la mi-temps. Juste avant la fin du match, et voilà, bon bah j'ai perdu 7-5 en finale. Je suis dégoûté, je suis tout simplement dégoûté. Mais il va taper, il va laisser tous les ralentis parce que c'est un gros bouffon. Oh là 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 là, je suis dégoûté. Je suis au fond du trou, je suis au fond du trou. Bah j'espère quand même que ces deux matchs vous auront plu, hein. C'est l'essentiel, c'est que ça vous plaise. Il y aura énormément de suspense quand même, hein. C'est vrai que... C'est vrai que là je pense qu'on peut pas faire plus... Je pense qu'on peut pas faire plus plus suspense, si je puis dire. Arrête avec son avec ton si je puis dire de merde, salopard. Vous êtes en train de vous dire ça tous devant votre écran. Donc bon. J'aimerais bien qu'il zappe, s'il te plaît. Zappe, regardez les buts qu'il met, quoi. Passe PES en tout genre. Passe PES en tout genre. Moi, il y a de la technique, il y a du crochet, voilà, c'était beau. C'est que ça, passe devant les cages. Moi aussi j'aurais pu le faire. Malheureusement, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop gourmand. Donc voilà, ça s'est payé au final. Hein. Donc bon, les détails du match restent largement en sa faveur. C'est clair que ça reste largement en sa faveur. Mais bon, voilà. C'était Fatmat80HD qui est dégoûté. En plus, je fais des rimes. J'espère que ces deux matchs vous ont plu. Donc des matchs quand même assez énormes parce qu'il y a énormément de buts. Deux fois énorme, ça va pas le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine les gens. Prenez soin de vous. Donc bon, pour un mercredi après-midi, pour une fin de mercredi après-midi. Ah c'est beau comme match. Bon allez, bye les gens, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je suis dégoûté, je suis simplement dégoûté. Puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je pense que ça sera le pacte des loups, le prochain épisode. Donc ce sera sûrement vendredi. Allez, ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Bye.